Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de My Hero Academia The Strongest Hero. Comme vous l'avez vu récemment, une maintenance arrivera cette semaine pour l'amélioration de la qualité du système économique, sûrement en ajustant ou en ajoutant des quêtes pour l'amélioration et le gain de la stamina et des Hero Coins depuis les quêtes quotidiennes pour les Hero Coins. Maintenant, cette maintenance est prévue pour le mardi 8 juin. Le jeu ne sera pas disponible entre 6h et 9h du matin. Il se peut que la maintenance peut être rallongée comme la semaine dernière. Vu que la semaine dernière, je crois qu'elle s'est terminée aux alentours de 11h au lieu de 9h. Ou voir un peu plus tard. Concernant la langue française, maintenant on va parler de la langue française vu que cette vidéo attaque toutes les news de la semaine. Concernant la langue française, elle pourrait arriver ce mois-ci. Regardez, on bascule ici. Actuellement disponible en anglais, pack de langue française et allemande à venir pour bientôt. Le mois dernier, avant le lancement du jeu, quelques jours avant le lancement du jeu, ils ont dit que le français et la langue allemande seraient disponibles. Serait disponible courant juin. Et réellement, je pense qu'on arrive bientôt à la sortie de ces deux packs, de cette mise à jour qui va nous faciliter la compréhension des compétences, des quêtes, des équipements et autres systèmes dans le jeu. Il se peut aussi qu'on ait un nouveau portail, comme je vous l'ai annoncé dernièrement. Comme je vous l'ai annoncé dernièrement dans mes dernières vidéos, il se peut que le 9 ou le 10 juin, on aura un portail, soit celui de Aizawa avec ses cartes passives, suivi de sa carte active, ou sinon celui de portail de Stein et de ses cartes. Maintenant, on verra d'ici demain ou après-demain, vu qu'a priori, ils annoncent toujours un ou deux jours à l'avance sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous quitte sur ça. Peace et prenez bien soin de tout le monde. Ciao!